Et bonjour les gens, sachez ce qu'on deux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps et dont je suis trop impatient de faire. C'est vraiment pour ceux qui ont vu, donc, du coup le titre c'était à peu près 100% des gens. Je vais découvrir la bande-annonce de Avengers Infinity War, voilà. La bande-annonce la plus tant attendue de 2017, le film le plus attendu de 2018, voilà. Et franchement j'ai trop hâte de le faire, voilà. C'est pour ça que ça vaut au moins une vidéo réaction parce que ce film est vraiment épique. Donc du coup c'est parti, let's go. Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Oh! Et pouvoir, le moment venu. What? Ces visions? Ces batailles. Qu'ils auraient perdu. Oh putain, j'ai trop hâte de voir ça. Oh là là. Avec la musique thème de Avengers. Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre. D'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tentez de le fuir. Vous n'échapperez pas au destin. Oh putain, il est trop badass. Oh my god. Oh putain, Spider-Man. Passez en mode défensif. Et donnez un bouclier à cet homme. Oh la vache, Captain America. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Oh non, mec, vision. Mais ça... mec, c'est trop stylé. Ça me donne le sourire. What the fuck? Oh putain. Oh mon god. C'est le meilleur bonhomme du monde, juste. Mais d'où est-ce que vous sortez? Oh yes! Bon, je savais qu'ils étaient en vrai, mais putain, yes! Oh my god! Mais c'est juste la bande-annonce la plus épique du monde. Oh putain, j'y reviens toujours pas dans ma tête. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh la vache, puis l'armure Spider-Man et puis Thanos. On l'avait vu donc du coup dans Spider-Man Homecoming et là on la voit en la voit portée et tout avec les yeux qui brillent et puis Thanos et tout. Oh, puis il a déjà deux pierres de l'infinité. Puis Vision qui se fait attaquer là par un des gars de l'ordre noir là, de l'équipe de Thanos. Puis donc du coup le retour de Bucky, Captain America qui est putain de stylé avec sa barbe et tout. Bon, de toute façon, soyez certains, je vais vous faire d'autres vidéos dessus. Je vais vous faire je sais pas des vidéos analyses. Je vais faire masse vidéo dessus parce que ça vaut le coup. Donc sur ce, ciao ciao.